Lorsque j'étais chez mon enfant tuteur, Monsieur Apatine, j'étais réveillée toutes les nuits parce que je sentais ses mains sur mes pieds. Ah, répugnant vieillard. Oh oui. Mais aujourd'hui, grâce à ta mère, je n'ai plus rien à craindre. Parfois, je me demande, quand je pense qu'elle se sert de tes jolis pieds pour vendre ses chaussures. Ne sois pas si dur envers elle. Madame Villetaneuse est très gentille. Et sans mon arrivée, elle ne t'aurait peut-être pas sortie du couvent. Au moins, j'étais loin d'elle. Et tu avais tes amis. Surtout une. Comment s'appelait-elle déjà? Sœur Blandine. Et tu lavais les pieds aussi, hein, Sœur Blandine? Oui, mais comme elle était de constitution faible, il fallait parfois que je la lave entièrement. Comme tu es généreuse. Était-elle jolie? Ses yeux étaient turquoises. Ses cheveux, d'un blond splendide. Elle était pâle, très pâle. Elle parlait toujours doucement. Le soir, quand elle faisait sa prière avant de s'endormir, je sortais en secret de ma cellule et je venais faire ma prière tout près d'elle, si près que mon genou touchait parfois le sien. Quelle belle amitié! Elle faisait des cauchemars et, pour la calmer, je venais me coucher près d'elle. Je la regardais s'endormir et je veillais. Tu es si dévouée, Agathe. Sitôt qu'elle sursautait, je la calmais en lui faisant un baiser. Et quand elle allait très mal, ce qui arrivait souvent, elle ne se calmait pas tant que je ne lui avais pas fait une dizaine d'autres baisers. Tes baisers guérissent toujours tout. Pourquoi ne m'en fais-tu pas plus souvent? C'est que... Je n'ose! Et puis il y a toujours ces hommes qui nous regardent par la fenêtre. Ils savent que ma mère veut te marier. Elle reçoit tant de demandes. Et ce bal ce soir qu'elle organise. Je ne suis pas tranquille. Y a-t-il bien du mal à se marier? Eh bien, puisque cela vous agrée, mariez-vous donc, mademoiselle Françoise! Tu sais bien que je n'ai pas appelé ma bande de baptême! Cette fanchette! Agathe, si j'arrête d'être fâchée, tu arrêtes d'être fâchée aussi! Devoir te calmer. Je suis très fâchée. Doucement, franchement, doucement. C'est que je n'ai pas à ma petite fée triste, sinon je suis triste moi aussi. Allez, je t'en prie, fais-moi un baiser, comme à Sœur Blandine. Des... Mais non. Enfin, on pourrait nous voir. Mais qu'importe, parce que nous sommes de bonnes amies, regarde. Dis, Fanchette, tu resteras toujours auprès de moi? Bien sûr, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es une foule d'amoureux. Ah, oh, mais c'est pas ma faute. Ils deviennent tous fous aussitôt qu'ils me voient. Je ne vais tout de même pas rester cloîtrée ici par peur de leurs instances. Et puis toi aussi, tu as un amoureux, Monsieur de Lucenville. D'ailleurs, tu le délaisses horriblement. Oui, je sais. Pourquoi ne le vois-tu plus? Il doit se désespérer. Je ne veux pas te laisser seule avec tous ces hommes. Là, encore un qui est passé. Oh, quel culot! Je lui ai d'avoir soufflé dont il se souviendra. Jean! Oh! Serais-toi, Monsieur de Lucenville? Agathe m'a tant parlé de vous. Je suis heureux de savoir qu'elle parle encore de moi. Tout me portait à croire qu'elle m'avait oublié. Jean, ce n'est ni l'heure ni le moment. Fanchette a besoin de moi. Et un amant n'a-t-il pas besoin de sa maîtresse? Fais-tu ici? Ta mère m'a convié ce soir. J'ai pensé venir, mais quand j'ai songé au peu de nouvelles que j'avais de toi, j'ai craint arriver et te trouver auprès d'un autre. Cette pensée me fut si insupportable que je suis venue ici, au mépris de toute prudence, te demander si tu m'aimais encore. Tu es fou! Va-t'en! Si ma mère nous voit, elle va s'imaginer des choses. Oh, mais dis-moi simplement si je dois venir ce soir. Quelle que soit ta réponse, je me la tiendrai pour dite et saurai tout ce que j'en dois penser. Tu sais bien qu'il est inutile d'avoir avec moi aucune exigence et que lorsqu'on en formule, on doit s'attendre à être bientôt déçu. Adieu, monsieur. Je m'en vais chercher les chaussures de Fanchette. Je ne sortirai point sans votre réponse. Eh bien, si vous ne craignez point qu'on vous surprenne, restez. Quant à moi, j'y vais. Vous ferez craindre de perdre ce à quoi vous ne tenez point? Je n'y tiens point, c'est entendu. Laissez-moi vite aller. Croyez bien, monsieur, que je n'ai pas l'habitude de paraître ainsi en chaussons. C'est très inconvenant, je le sais. Je suis au désespoir.
enfin, que faites-vous, mademoiselle? Je regarde mon pied. Je me demande souvent ce qu'il y a de si spécial pour que tant d'hommes veuillent m'épouser. Vous savez, d'ordinaire, je ne le montre à personne. À Cathy Veil. C'est bien. Et j'ai pensé qu'il fallait que je ne le montre qu'à vous. Juste à vous. Mais enfin qu'à moi, mais pourquoi, mademoiselle? Parce que je veux qu'on soit curieux, qu'on se demande ce qu'il se passe, qu'on regarde derrière la porte. Un tableau est une chose exquise, mais derrière un rideau, c'est une idole. Enfin, vous voulez donc être idolâtrée? Généralement, les hommes me disent que je suis une idole. Très embarrassant d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils me veulent tous quelque chose. Oh, comme c'est agaçant de sentir qu'on veut quelque chose de nous et qu'il n'est pas notre pouvoir de rien donner. Ça. Vous êtes encore là, monsieur? Mais je vous ai fait une promesse. Tenez, donc, quant à moi, je vais chausser Fanchette. Ne trouvez-vous pas qu'elle a le pied joli? Ce n'est pas pour lui que je suis venue, madame. Vous êtes bien le seul. Ah, oh, vous n'aimez pas mon pied, monsieur? Mais non, je ne dis pas cela, hein, mais... Comment? Vous n'êtes pas cela, je vous disais le contraire. Mais... Agathe! N'aimez pas votre chaussure. Je veux que ce soit monsieur Fanchette, oui. Si après cela, monsieur n'aime toujours pas mon pied, nous causerons. Eh bien? Eh bien? Eh bien, j'attends, monsieur! Puisque vous insistez, mademoiselle, je le veux bien. J'en suis heureuse. C'est un bon début. Continuez, vous y êtes presque. J'ai froid au pied, monsieur. Ah! Eh bien, voilà, ce n'était pas si compliqué. À présent, je vous le redemande, monsieur. Aimez-vous mon pied, oui ou non? Oui, vous l'avez joli. Fanchette est ridicule. Ah, je suis ridicule. Moi, je suis ridicule. Mais regardez-vous, vous avez depuis des mois vous querellez par pure vanité. Qui est le plus ridicule? Monsieur! Demandez-lui d'être votre cavalière au bal de ce soir. Un amant rebuté ferait-il une demande de la sorte? Rebuté? Mais vous l'êtes bien joli. Elle a eu le cesse de parler de vous et de votre rencontre au bal, parce qu'elle est venue vous inviter à danser. Ce qu'aucune femme ne ferait. Presque aucune femme. Je sais aussi qu'elle est venue chez vous une nuit. Ah, mais Fanchette, maman peut arriver d'un instant à l'autre. Il n'y a pas un instant à perdre. Concilie-toi, monsieur. Faut la chance que toi d'avoir un homme qui t'aime et qui se damnerait pour toi. Moi, avec mon joli pied, je n'ai même pas cela. Viendrais-tu ce soir? Le voudrais-tu? Me feras-tu le demander? Parce que tu m'as demandé qu'aujourd'hui je t'aime. Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Je t'aime infiniment. Que ferais-je ici si je ne t'aimais pas? Veux-tu un baiser? Oh, mais il est temps, je vais le faire chez ta mère. Jean, dis-moi, tu sortiras par la fenêtre de ma chambre. Par la fenêtre? Mais viens, bébé, je te mets par la chambre. Eh bien, je ne suis pas fâchée de les avoir réconciliés. Tu veux que les hommes et les femmes de l'être manquent de mots quand il s'agit d'être heureux? Oh, je t'aime! Je ne Oh, comment vas-tu, mon ange? Donc, a vendu des cartons entiers grâce à ces jolis pieds. C'est vous, madame, je suis ravie d'y avoir contribué. Oh, j'espère que tu en prends grand soin. Oui, Agathe les emmène tous les jours. Ah oui, Agathe. D'ailleurs, où est-elle? Je viens vous parler. Dans sa chambre, madame, je... Agathe! 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 Où étais-tu donc? Je rangeais mes livres. Tes livres, alors bon, tu n'en as plus que 4. Il est vrai que ton père est mort, tu as jeté les autres? Mais alors, 4 livres, c'est bien suffisant. Quand on a besoin de nos jours d'accumuler tant de connaissances inutiles. La plupart des livres ne contiennent que des ramassis d'inepties. Et ceux qui sont intéressants, on ne les sait jamais par cœur. Ne prends pas cette partie! J'ai quelque chose à vous dire à toutes les deux. Je voulais vous parler de mariage. Comment? Tu songes à te marier à ton âge? Ne s'agit pas de faire rien. D'abord, je n'ai que 29 ans. 39, maman. Mon corps en a 39, mais mon esprit, oui, en a 29 ans. Oh, s'il s'agit que de ton esprit, que ne te fais-tu plus jeune? Il faut être réaliste. De plus, c'est avantageux. Je garde les avantages de la jeunesse et c'est de la maturité. Le beurre et l'argent du beurre. C'est ce qu'on appelle être une bonne commerçante.
compte pas me marier. J'ai trop étudié pour être la servante d'un mari. Mais voyons, je ne songeais pas à toi. Toi, qui voudrais t'épouser? Mais non, je parlais de Fanchette, ma chère de Fanchette. Ne faites pas tant d'effet pour moi, madame. Vous en faites déjà beaucoup pour votre petite orpheline. Hein. Non, mais si, rien n'est trop beau pour ma belle Fanchette. De plus, ton prétendant est très cher. Il est de ma famille. Voilà plusieurs mois déjà qu'il vient tous les jeudis. Tu ne devines donc pas? C'est le cousin d'Agathe. Dans le sens, c'est un garçon délicieux. Et il est négociant. Ne serait-il pas bien aise, ma petite Fanchette, de rentrer par ce biais dans notre famille? Oh, pardon, maman. Oh, oui, continue. Oh, c'est bien. Oh, oui. Alors, Fanchette, qu'en dis-tu? Viendra-t-il ce soir, madame? Oui! Il espère que tu l'accompagneras. Il arrive à l'instant pour te faire cette demande. Que devrais-je lui répondre? Ce que ton cœur te dira, Fanchette. Ce que ton cœur te dira! Oh, il arrive, je reviendrai tout à l'heure. Moi, plus tard. Moi, ma Fanchette. Cette position me convient assez pour vous dire,
ce que je suis venu vous dire. Voilà, pour le bal, j'espérais que vous me donniez la main. Ici, monsieur. Ah oui. Mais ne peut pas, mon cher cousin, mais pourquoi donc? Oui, pourquoi donc? Mais voyons, Fanchette, tu as donc oublié que monsieur de Luxembourg t'avait invité au bal ce soir. Oui. Comment? Luxembourg. Il a été plus prompt que vous, c'est regrettable. Regrettable, en effet. Mais puisque mademoiselle a accédé à sa demande, il est vrai que monsieur de Luxembourg est un parti remarquable, sa famille est noble et possède quelques biens. Soit, je viendrai. Sans caméra, donc. Mais... N'oubliez pas une chose, mademoiselle. Vous n'avez qu'un seul mot à dire. Un seul. Pardon, monsieur. Il y a un casse-femme à monsieur de Luxembourg. Tu seras à son bras. Mon cousin est le pire des hommes. Vous avez entendu? Elle a dit... Pardon. Monsieur. Allez.
À votre service, ma tante. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je dois voir Agathe. Un mot, ma bien-aimée. Je vous en prie, mon cher, je n'ai pas le loisir. Secret que vous m'avez joué sous les yeux trop. Je suis au bout de mes forces et je vous conjure de me dire franchement que vous ne m'aimez plus. Tu es fou, je t'aime, mais je ne sais pas ce que j'ai. C'est comme si quelque chose était venu pour moi ce soir, que quelque chose d'horrible allait m'arriver. Oh non, 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 il ne t'arrivera rien, je suis là. Je le sais, mon ami, c'est que... Comment tu trouvais Fanchette tout à l'heure? Elle était exquise, tu as vraiment bien fait. Oh, vous êtes les plus beaux ici, personne n'est plus beau que vous. Oh, faut-il que je vous aime? Que tu nous aimes? Ah, mais enfin, Agathe, si je suis venue, c'était pour te demander... Enfin, je t'en prie, cher amour. Je ne suis pas la reine de la soirée, et il faut qu'un prince embrasse une princesse ce soir. Agathe, me demanderais-tu de te quitter? Je t'en prie, ne te fâche pas. Voilà qui explique tout. Fanchette est donc libre. Mon cousin? Non, je t'en prie, pas un autre prétexte. J'en prends le bras de Fanchette tout de suite. Oh voilà, si je ne suis pas ici pour épouser Fanchette. Mais regarde de le sens. Il m'importe de le sens. Ah, si tu pouvais comprendre. Mais Agathe! Abandonnez-vous, la reine de la soirée. Je suis sûr qu'il va revenir, monsieur Dolsens. Il a plutôt intérêt. Lance une cavalière aussi belle que vous. Oh. Puis-je vous offrir mon bras pour cette danse? Je vous ramène aussitôt, bien sûr. Je sais si je peux. Cette heure, n'es-tu pas votre favori? Comment l'avez-vous deviné? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Comme il est bien renseigné. Merci, ma tante. Il ne faut pas qu'un de ces hommes la touche. Non, je ne veux pas. La poudre sur leurs mains ne cachera jamais l'odeur de leur désir infâme. Non, pas un seul de ces horribles marchands ne mettra sa main sur ma Fanchette. Et surtout pas mon affreux cousin. Fanchette, mon ami, mon aimé, mon amant. Je ne veux pas être un monstre à leurs yeux. Je ne veux pas que dix prêtres, avec leurs infâmes sermons, me poursuivent comme une chienne puante et malade. Je ne veux pas que les soldats du roi me mènent sous les ponts pour venger le mal qu'on a fait à leur sexe. Il n'y a qu'une seule parade. Une seule. Lucenville. Mon Lucenville. Tu dois épouser Fanchette. Agathe! Je t'en prie, Lucenville. Pardonne-moi. Laisse-moi dans le silence. Comprends-moi. Comprends-moi sans me parler, mon amour. Cette porte ne cède pas sous les coups. Écoute les battements de mon cœur. Écoute mes sensations. Sois mon corps près d'elle. Sois mon regard sur ses yeux. Sois mon désir ardent. Prends cette main. Embrasse cette bouche. Donne-moi la force de la posséder. Lucenville, mon ange, mon aimé, souvenir de mon corps frémissant. Embrasse-la comme un prince dans un conte. Chaque seconde devient un peu plus moi. Sens dans ton intérieur comme nous sommes ensemble, comme ton corps est dans mon esprit, et mon esprit dans ton corps. Lucenville. Agathe! Monsieur de Lucenville! Oh, Fanchette! Que se passe-t-il? Je ne peux plus, Agathe! Comment va-t-elle? Je refuse de parler, ni de voir personne! Quelle terrible nouvelle! Agathe, je t'en prie! Je t'en supplie! Je suis désolée! Mais ouvre-moi! Je ne ferai plus jamais de soirée, je t'habillerai comme moi, mais je t'en prie, sors, reste avec moi! Ne me parle pas, Fanchette! Tu es le jouet de ma mère! Juste le jouet de ma mère! Agathe! Tu veux te marier, c'est ça? Mais oui, Agathe, comme toi, tu vas te marier bientôt. Non, je ne me marierai pas. Je ne me marierai jamais. Tu n'as qu'à épouser la crevette en perruquée. Mon bouton est aussi insensible. Faut avoir l'esprit plus robuste que le cœur. Voilà. S'il y a un dieu, comme ma mère supérieure me l'a si souvent dit, punis-moi et unis donc ces deux êtres si charmants et si parfaits. Qui dit dans le compte que tu n'écriras jamais pour moi?
Fanchette, c'est pour vous que je suis venu. Jean-Mille, tu n'étais pas Yagaté. Oh, alors là, c'en est trop. C'en est trop. Ah, oh, mais dans le sens, mon ami. Ah, attends. Il m'a embrassé. Tu as veillé sur moi, ma petite fée. C'est ce que tu voulais depuis le départ, n'est-ce pas? Me donner au seul que tu estimais digne de moi. Qu'il en soit ainsi, ma douce. J'irai où tu me mèneras. Il a l'air triste, n'est-ce pas? C'est moi qui devrais l'être! Bien sûr! Après avoir volé ma fiancée, je pourrais encore le plaindre! Ma cousine passe son temps à me pouler sa présence et roucoule comme un dame oiseau avec Fanchette, c'est... dégoûtant! Quoi qu'il en soit, dorénavant, le gentil de sens, c'est terminé. Savez-vous combien de mener le père de ce pauvre sans ville en prison? C'est à cause de sa passion immodérée pour les filles de joie. Le brave homme vient de faire faillite. Oh, pauvre le sans ville. Sa famille est ruinée. Pourrait-il prétendre à la main de sa douce fiancée? Oh. Ton père est en prison, qu'à ça ne tienne. En voilà, il t'en ira plus. Voilà, bien parlé, Dolcens. Mais qu'en est-il aussi? Que va faire mon pauvre Leçonville? Oh, voilà, moindre idée. Tu as payé sous, ta maison va être saisie. C'est une situation bien embarrassante, tu ne crois pas? Oh, pas tant que tu le crois, mon ami. Car je suis un homme riche. Comment donc? Tu n'as même plus de quoi jouer. Mais que vas-tu donc chercher, mon cher Dolcens? Un peu de tabac, comme tu peux le voir. Et je m'en fais le fumer. Ce tabac fait de moi un homme riche. Mon oncle possède un commerce sans comparaison. Et ses ventes sont extraordinaires. Je suis son héritier désigné. Naturellement. Comment ai-je pu oublier? Mais il y a un facteur qui a tout de même son importance, mon cher. Il est en Amérique. Qu'à cela ne tienne, je pars en Amérique chercher ma fortune. Je suis en âge d'hériter et mon père n'aura plus les moyens de s'y opposer. Qu'en dis-tu? Le sang-ville américain. Vive l'Amérique! Vive le sang-ville américain! Quand vas-tu partir? Ta maison est saisie demain matin. Et pourquoi pas demain matin? Oh, cela est possible. Il y a un navire qui part demain avec son chargement. C'est une idée formidable, mais... Oh. Quoi? Mais qui est-il? Ne devais-tu pas te marier? Me marier? Oh, Fanchette! Oh, comment pourrais-je... Je t'en m'en donner. Non, je ne pourrai jamais. Oh non, le sang-vie. Non, le sang-vie. Ne me demande pas d'être raisonnable. Tu n'as plus rien. Tu n'es même partie de personne. Tu as ni situation, ni parents, ni métier. Et notre société n'a que faire tes belles et rares qualités. Dans un mariage, on est toujours trois. Hein? Il y a. Voilà. L'homme. Oui, ben cela va de soi, oui. On se dit, bien. La femme. Bien. La femme, oui, la femme, oui, la femme. Et le plus important... Mais quoi, enfin? Le bien. Crois-moi, il est mauvais de négliger le troisième. Dans une telle situation, plutôt que tu voudrais une Fanchette, évidemment,
et de pauvreté, mieux vaudrait ne pas l'épouser du tout. Du tout, dans le sens. Attends, oh, c'est un peu trop tranché, peut-être. Je dis seulement qu'à l'occasion, un beau mariage peut se représenter et qu'une fourchette aujourd'hui que ta main ne peut toucher vous manque une fourchette demain qui est la sienne. Moi, si tu crois qu'elle pourrait m'attendre. Je crois que chaque seconde que tu passes à cette ville, t'es loin de ta belle-aimée. Prends le bateau qui part demain matin. Je sais qu'il y a du 15 jours avant le départ du suivant. Mais Fachette, je l'amènerai ici avec moi. Après, je m'occupe de tout. Ah bien, dans ce cas, mais qu'il en soit ainsi, mon cher Bonne Sens. Puisqu'ainsi, je ne puis rendre Fanchette heureuse et que ta tante ne me la cédera pas. Non, il n'y a pas à hésiter. Pour rester à mourir sur le bord d'une route, cela n'a pas de sens. Oui. Amérique, me voici. Bravo. Oh mon Dieu, mais sans toi, je ne serais plus rien. Et grâce à moi, tu n'es pas loin de devenir quelque chose. Va te coucher, tu es gris. Non, je suis allé pas là. Pas du tout, absolument pas. Je te rendrai plus tard. Mais dans le sens, mais amusons-le un peu, ouais. Sois raisonnable. Au revoir, les 100 piles. Tu seras cocu, je te le garantis. Demain matin, il sera parti. Et Fanchette, désespérée, finira par se donner à moi. Mais si elle est chercher la vie, après tout, il est écrit. Pour m'assurer de tout, je vais engager à me suivre. Jusqu'au départ du navire. Et si Luçonville se ravise, il le suivra, et quand l'occasion se présentera, il le tuera. Tu ne verras plus Fanchette, Luçonville. J'ai mis un gage. La chance va tourner, et elle va tourner en ma faveur. Il suffit de piper les dés. Ah!
Merci. Son adorable visage et embrasser tendrement aussi. Après m'avoir dédaigné pour être auprès de toi. Pauvre lâche, misérable et pathétique garçon, comme il est vain de verser des larmes pour toi. C'est un fou, un double, un parjure, un homme qui n'a pas peur d'aimer deux femmes et de n'être fidèle ni à l'une ni à l'autre. Qu'est-il encore ? Un gâchis de toutes les plus belles sensibilités que la nature ait faites. Un renoncement, une fuite, un soupir inaudible. Un homme qui a du cœur t'aura enlevé, t'aura emmené dans quelque obscure région montagneuse, aura eu faim, froid et soif entre tes bras. Il t'aura offert une masure et ta présence en aurait fait un palais. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Et voilà ce que je vais faire, moi. Toi, Agathe ? Oui. Partons loin d'ici. Dolsens n'abandonnera pas. Il te fera signer une promesse de mariage et ma mère va l'y aider. Si tu veux t'y soustraire, il faut que nous quittions la maison, et tout de suite. Mais dois-je me soustraire ? Que me racontes-tu là ? Il faut que je me résigne. Dolsens m'aime et sûrement elle sera un époux attentionné. Plus attentionné que moi ? Non, Agathe, non, je ne pense pas. Il est impossible d'être plus dévoué que toi. Mais tu n'es pas un mari. Je peux te protéger, tu sais. Protégeras-tu les hommes ? Je vous protégerai contre tout ! Ce n'est pas parce que je n'ai pas la voix grave, que mon menton ne pique pas, que mes bras ne vont pas deux fois la taille des tiens, que mes cheveux sont longs ou que je ne porte pas le pantalon, que je ne peux pas vivre avec toi. J'y ai autant le droit que ce gesticulateur de pacotille qui s'agite et qui remue la queue devant tes pieds de déesse. Il est le parterre des hommes, et jamais je n'agirai de la sorte avec toi. Seuls les sentiments humains me dictent ce que je désire, et non pas les pulsions vives et pas une bête. Dolsens n'est pas une bête, et d'intelligent. Et même si je n'aime pas ces sentiments, sont sincères. Et que fais-tu des miens ? Ce n'est pas la même chose ! Si tu étais un homme, on t'aurait sans doute beaucoup à redire à toutes les attentions que tu as pour moi. Mais tu es une femme ! C'est ce qui nous permet d'être en paix avec le monde ! Oh, heureux, ma chère Agathe, les sentiments sont différents, sinon... Peut-être serais-je restée seule à jamais. Et Lucienville, tu y as pensé ?
Et ta fidélité ne reviendra pas? Alors reste avec moi, Fanchette. Je t'en prie. Je t'en supplie. Tous les jeudis? Et mes lettres tous les jours, qui te les portera? Et la prière le soir que nous faisions ensemble? Et le matin quand je t'habillais? Est-ce que Doc Sans nous laissera faire tout cela? Peut-être aussi à cette montée. Mais tu rêves, ma belle Fanchette, tu rêves? Jamais plus nous n'aurons ces plaisirs, nous serons séparés et distantes. J'aime à mourir d'une fille qui ne m'aime pas. Qui ne t'aime pas? Mais voyons, ma chérie, la petite fée, mon Agathe, bien sûr que je t'aime. Et qu'importe ce qu'ils diront tous, ce baiser venait de mon Agathe et personne ne m'enlèvera. Fanchette.
Mesdemoiselles, je me vois encore obligé de vous séparer pour la dernière fois. Ce papier, c'est désormais mon union avec Fanchette Florangis. À présent, Fanchette, si vous voulez bien signer. Vous ne la ferez rien signer du tout. Et qui m'empêchera? Mon épée, Agathe, non! Monsieur Dolsens, rappelez-vous votre promesse. Ne rien dire qui pourrait lui causer du tort. Je crois que je n'ai pas brisé ma promesse. À présent, Fanchette, il est temps. Signez. Je suis le plus heureux de tous les hommes. Donnez-moi votre main. Bien d'autres baisers suivront, et ces jolis pieds ne seront pas en reste. Qu'il en soit ainsi. À ce soir, monsieur Dolsens. Dites mon mari. Monsieur mon mari. Il s'est mis en route vers Paris, persuadé de me trouver là-bas. Mais je ne savais comment le rattraper, je n'avais ni argent, ni ressources. Et tandis que j'irais seul sur la route, sans plus d'espoir, j'ai vu un homme qui attendait non loin de ma maison, un grand brun maigre avec une cicatrice. Mon homme de main! Il m'a demandé si c'était là ma maison. J'ai répondu que oui, mais qu'on la saisissait aujourd'hui même. Il m'a offert de m'emmener où je voudrais. J'ai accepté. Quelle naïveté fut la mienne! Il m'a conduit à l'écart, sur une route de forêt. Il est descendu du carrosse et il a tiré son épée. J'ai dû faire de même, conscient que mon adversaire était sans doute redoutable. Mais grâce à Dieu, nous avons été arrêtés par l'arrivée d'un attelage. Le passager est descendu. C'était mon oncle. Il a pointé son mousquet sur mon adversaire et l'a atteint d'une balle en pleine poitrine. Seulement le temps de remercier mon oncle. Il me dit aussitôt qu'à cause des troubles qui agitent le nouveau monde et de la révolution qui s'annonce, il revenait s'installer ici et me faisait le légataire universel de toute sa fortune. Sa fortune? Oui, satané américain. Et je n'ai plus qu'une idée en tête. C'est vous demander, Madame Viltaneuse, la main de la douce et délicate Fanchette que j'aime plus que jamais. Oh, mon cher Sanville. Le Sanville. Mon indéfectible dans le sens. Tu m'as accompagné dans cette épreuve. Tu m'as offert de t'aller chercher ma fortune en Amérique. Je la trouve ici même. Le sanglier. Oh, dans le sens, mais je ne mérite pas un tel ami. Assez. Je ne suis pas ami. Je n'ai jamais été. Toi, le sanglier, le noble, le fortuné, le maudit enfant, partez de privilèges. Enfin, ces fêtes, ces balles, ces conversations, ces amis que tu m'as présentés. Mais ces fêtes étaient pour profiter de ton nom. Ces jeux pour prendre de l'argent, ces conversations pour profiter de tes savoirs, le Sanville. Je l'ai fait pour ma négoce, il n'y a qu'un autre. Et quand tu m'as disputé de Fanchette, ce fut de trop.
Mais ces filles sont viles. Fourchette va m'épouser ce soir. Elle va signer la promesse. Ces filles sont viles. Filles. Oh, traître, la promesse de mariage. On m'a élevé. Mon industrie seule m'a permis d'en arriver là. Et je la possède déjà. C'est ma tante. N'avez pas d'appétit, pas fortune et le nom du Sauville. Mais pauvre fou, elle ne t'aime pas. Peut-être pas, mais toi non plus. Oh non, toi non plus. Ses baisers en témoignent. Oh, son amie, sa douce amie Agathe, portait des habits d'homme. Elle tenait Fourchette enlacée et la baisait comme un amant, une maîtresse. Je les ai vus. Je me viens d'en être. Votre face de honte, ma tante. Voilà le vrai visage de votre protégé, une petite tribale. Je suis trop bon de l'épouser sans scandale. Tentez de me l'empêcher, l'un ou l'autre. Et toute la ville ne causera plus de ça. Adieu. Jusqu'à ce soir. Oh, bonjour les envies. Je n'en puis revenir. La passion me fait délirer. Jamais ma fille ne ferait une telle chose. Hélas, il me semble que votre mariage est compromis. Je vous recommande de les faire vos adieux. Allez donc. Je vous laisse. Je prie pour vous. Oh, naïf. Naïf étaient mes yeux. À présent, tout est clair. Ces mots, ces gestes tendres, ces regards appuyés lorsqu'elles étaient ensemble, comment n'ai-je pas vu ? Quoi ? J'ai aimé l'une, puis l'autre, et toutes deux s'aimaient ? Est-ce là mon destin ? Voir ces femmes au sommet et les mener lentement l'une vers l'autre, puis descendre dans l'oubli ? Hélas, je ne blâme pas Fourchette et Agathe. Au contraire, qui sommes-nous pour les aimer ? Leurs mystères, leurs sensations, leurs peurs, quel homme peut les comprendre ? Seule une femme le peut ! Oui, rien d'autre qu'une femme. Quant à nous, nous ne les maintenons dans notre amour qu'à force de tyrannie. Et c'est cette tyrannie qui nous rend indignes d'elle. L'injustice qu'il aurait faite chaque jour est si grande qu'on ne saurait la réparer, même en leur donnant toujours raison. Et leur colère qui éclaterait un jour pourrait ôter aux hommes le peu de confiance qu'elle leur accorde encore et déclencher une guerre sans merci. Il ne me reste qu'une chose à faire. Aller au-devant d'elle et entendre sa sentence. Je me tais plus. Dès lors, je les aiderai à fuir. Et sitôt qu'elles seront en sûreté, je partirai pour toujours. Voilà qui est sage, mon vieil amour. C'est Agathe. J'étais désespérée, mais Dieu t'a mis sur ma route. Tu as trouvé une embarcation et nous emmener jusqu'à Jersey. Sitôt le bateau débarqué et Fourchette en sécurité dans une maison que tu achèteras, tu me laisseras vivre avec elle et tu nous enverras de quoi survivre. Voilà ce que tu feras. Je vous emmènerai, mais tu dois me laisser avoir. Je ne demande que cela. Tu ne la verras dans ma présence. Je ne veux plus qu'un homme la touche. Dans ce cas, ne compte pas sur moi. Mais je n'ai confiance en personne. Tu le sais bien. D'ailleurs, leur raison en est simple. Tu accepteras les conditions. Alors, reconnais-tu ceci ? C'est la promesse de mariage que tu m'as signée la nuit où je suis venue chez toi. Tu as la mienne, n'est-ce pas ? Je n'ai pas. Alors tu sais que je peux exiger le mariage. Et je te promets que sitôt que nous serons mariés, je serai pour toi pire qu'un diable. Alors, veux-tu m'épouser ? Ou m'aider à vivre avec Fourchette selon mes conditions ? Pourra-t-elle croire en ton amour ? Quand elle verra qu'après m'avoir aimé, tu me hais. Je ne te hais pas. Mais tu as abandonné Fourchette et à présent elle n'a que moi. Alors je l'ai choisie. Mais tu m'as poussé vers elle. Tu m'as jeté dans ses bras. Oui. Vous étiez beaux tous les deux. Je savais que tu ne pourrais pas t'en empêcher. Cet homme-là, cette femme-là, vous étiez parfaits ensemble. Bien plus parfaits que toi et moi. J'étais jalouse de toi. Je t'aurais volontiers arraché ton visage pour m'en faire un masque. C'est Fourchette. Attends. Je veux entendre qu'elle me hait. Mais tu ne la toucheras pas. Je veux tuer. J'ai fait notre triangle. Que fais-tu, Agathe ?
Tu souris à qui t'a abandonné? Celui à cause de qui tu es promise à Dol Sens? Pourquoi? Eh bien, parce que je l'aime. S'il te plaît, Agathe, laisse-moi aller vers lui. Je t'en prie, je te le demande. Franchette. Ah, tes bras sont grands et chauds. J'aime être aussi près de toi. Tu ne sais pas, mais j'ai souffert de ne pas sentir tes étreintes. Quand je pense que c'est cette promesse à Dol Sens. Le traître et dire que je lui faisais confiance. Vous êtes si naïfs, messieurs. Cependant, garde-les toujours ainsi. J'aurais peur qu'avec d'autres, tu ne me trouves laide. Alors c'est bien vrai. Dol Sens m'a menti. Tu n'aimes personne d'autre. Il est temps de choisir, Fanchette. Cette comédie a assez duré. L'aimes-tu plus que tu ne m'aimes? Non. C'est que tu m'aimes davantage. Dans ce cas, je ne veux plus que tu le touches. Pourquoi enfin? Pourquoi? Parce que c'est moi que tu aimes. Mais voyons, c'est ridicule. Mais sans rire, tu t'aimais davantage, me demanderais-tu cela aussi? Eh bien, oui. Comme vous me fatiguez tous les deux avec vos jalousies, autant rester toute seule. Mais en voilà assez. Allez-vous tous les deux avec vos grands manteaux et vos belles dentelles me dire que vous êtes celui qui doit emporter la loterie. Toute ma vie, j'ai entendu cela des prétendants. Et je n'en veux point, moi, je veux des amants. Des gens qui m'aiment et qui ne regardent pas qui j'aime d'autre. Qui m'aiment pour ce que je suis. Qui puis-je si je suis Fanchette? Fanchette, vous êtes tous les deux en égale partie. Qu'allez-vous faire à présent? Je vous ai répondu. Continuez votre concours et je m'en vais épouser Monsieur Dol Sens. Vous n'avez rien qu'à vous marier tous les deux, puisque vous l'êtes promis. Regardez mes amours, j'ai vos deux signatures. Qu'en ferai-je à présent? Et jetterai-je un feu? Et brûlerai-je avec? Et garderai-je au lit pour y pleurer le soir? Et mettrai-je un rouleau dans le cou des statues? En ferai-je souffler un jardin défendu? Ah, que feront-ils pour moi, ces amants de papier? Tu m'as aimée dès le premier jour, Agathe. Si j'avais su comment, si j'avais pu comprendre, je t'aurais aimée comme tu voulais que je t'aime. Aujourd'hui, c'est le cas. Tu m'as ouvert les yeux. Et par amour pour moi, tu m'as guidée vers le sentier. Tu n'as voulu que mon bonheur et tu t'es sacrifié. Pourquoi devrait-il y avoir quelqu'un à me sacrifier? Dis-moi, Agathe, pourquoi? Mon tendre amour, je t'ai aimée sitôt que je t'ai vu poser les yeux sur elle. J'ai cru devoir toujours être silencieuse et t'aimer comme une sœur. Mais lorsqu'elle m'a poussée vers toi, oh comme j'ai été heureuse. Vous êtes la candeur et la passion. Vous êtes ce que je suis. Et vous vous aimez. Sinon, vous ne vous auriez pas promis l'un à l'autre, n'est-ce pas? Vivons, tu es ma conduite. J'aime le sans-vie, je le garde. J'aime Agathe, je reste auprès d'elle. Restez avec moi, comme amant. Non, comme des tiens. Venez, servons tous trois d'exemple à l'univers des amours les plus belles et les plus partagées qu'il ait jamais fait naître. Et peu pour l'eau de nos passions, heureuses. Fanchette, vous songez, je vous aime. Agathe, Fanchette, je vous aime moi aussi. Bonjour à nouveau, mon
mon cher de Sanville. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Je croyais que ma cousine t'aurait tué en duel. Mais vous vous tenez la main. Mais fais-toi, Sanville. On ne sait pas où elles sont traînées. Je suis sûre qu'elle soufflait. Très bien, Patrice. Je vais t'éviter de bûcher. Mais tant pis. Je vais tout dire. Je dirai partout que vous mentez. Mais ma chère femme, vous direz ce que vous voudrez. Parole contre parole, on entend celle du mari. Elle a fait quelque chose, c'est votre fille. Et que peut-elle faire? La remettre au couvent? Ils n'en voudront pas. Elle en contaminerait jusqu'à la dernière religieuse. Certainement pas, je m'arrêterai aux novices. Les mères supérieures sont beaucoup trop laides. Ce sont les paroles de traînées. Le bûcher m'attend peut-être, mais tu ne seras pas là pour le voir. Non. Allons, calme-toi, cousine. Tu ne vas tout de même pas verser le sang devant la petite fourchette, n'est-ce pas? Hein? C'est bien. Sa décision. Et toi, Sanville, qu'est-ce que tu attends bien? Non, 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 je t'en prie. Viens, allez. Dans le sens. Allez. Puisqu'il y a des femmes dans cette pièce, soit, mettons-nous au diapason. Je ne dirai rien, pourvu que Fanchette m'épouse sur le champ et que sa partenaire débauche avoue ses crimes devant moi. Traître, tu sais qu'elle n'en fera rien. La calotte pas dans son piège. Avoue. Je dois donc confesser le crime d'amour. Dans ce cas, je vais... Un instant. Qu'a-t-il encore à dire, monsieur l'efféminé? Simplement annoncer une heureuse nouvelle à madame Viltaneuse. Hein? Madame, ne devinez-vous pas? Agathe va se marier. Se marier? Mmh. Avec qui? Eh bien, avec votre serviteur. Elle m'a signé une promesse de mariage et... Mais la promesse, Fanchette, elle l'a... Je lui en ai signé une. Mais c'est impossible! J'ai succombé, il est vrai, au charme de Fanchette. Mais sitôt que j'ai revu ma fiancée, j'ai imploré son pardon et... Je crois qu'elle me l'a accordé. Agathe, est-il possible? Oui, j'ai pardonné à Lucienville son inconstance. Se connaît-on assez quand on s'aime pour la première fois? Grâce à Fanchette, il a dompté son cœur et il est revenu à moi. Je ne le quitterai plus jamais. Oh, Agathe, c'est merveilleux! Et madame Viltaneuse, je m'engage sur ma vie à ne pas vous oublier. Tous mes invités, mes amis, ma famille viendront se fournir chez vous pour le grand jour. On n'y verra que perles et satin, mules et talons. Oh, ce sera le plus beau mariage de Normandie. Oh, papa, papa et ma fille. On laisse se marier les tribales à présent. Quelle époque! Vous avez toujours le mot pour rire, monsieur Dolsens. Mais quoi que vous disiez, Dieu de Lucenville est un homme de bonne constitution. Mm-hmm. Et sa parole et sa main effaceront de toutes les lèvres les accusations que l'on veut faire à sa femme. Mm-hmm. Parole contre parole, j'entends celle du mari. Très bien! Très bien. Quant à vous, Fanchette, vous allez me suivre sur le champ, vous et vos jolis pieds, chez le notaire. Car vous aussi, vous avez signé une promesse de mariage. J'ai signé une promesse? Comment, coquille, vous le niez? Je m'en souviens plus. Montre-la moi. La voici. C'est une promesse, cela? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais enfin, dans le sens, les, nous verrons bien. Quel caprice, croyez-moi. Vous n'en ferez pas pour mon ménage. Je promets solennellement d'épouser le sieur dans le sens, moi-même, sitôt qu'il sera possible. Voilà. Et c'est signé. Et c'est signé. Fanchette Florangis. Pas malheureux. Pas malheureux. Fanchette n'est pas son nom de baptême. Elle s'appelle Françoise. Françoise ou Florangis. Par conséquent, le document n'est pas valable. Il n'est pas. Traîtresse. Pardonnez-moi, monsieur Dolsens, c'est une maladresse. La candeur des femmes est morte comme le courage des hommes. Je ne dirai pas un mot. Oui, Dolsens.
sens, il faut sans doute mieux que tu te taises. Cette histoire me paraît invraisemblable après tout. Si ma fille avait vraiment corrompu la douce et timide Fanchette, aurait-elle épousé ce jeune homme ensuite dans la même journée? Pour cela, il aurait fallu qu'elle les aimât tous les deux avec autant de force, ce qui est absurde, n'est-ce pas? Je pense que tu t'abuses, voilà tout. Et puis je vois bien que ma petite Fanchette ne veut toujours pas se marier. Non. Je ne vois pas pourquoi on les forcerait. Non. N'est-ce pas, ma petite Fanchette, que tu préfères rester ici avec moi? Je suis vraiment navrée, maman, de devoir te contrarier dans tes projets, mais je pense que tu sais que Lucienville est riche, avec un jeune couple qui s'installe doit veiller à ses affaires. Mmh. Tout compte fait, les finances mal tenues sont le cauchemar d'un honnête ménage. C'est toi qui m'as appris cela. Mais... Où veux-tu en venir? Notre famille, bien que plus modeste, se doit de contribuer également à ce mariage. Je demande donc à Fanchette de bien vouloir accepter d'être notre femme de chambre. Votre femme de chambre? J'accepte avec joie, Agathe. Je serai ravie de prendre soin de ce ménage. Nous en prendrons soin. À trois. Et une femme de chambre est sans attache. Nous ferons ainsi en sorte que ton nom ne soit plus souillé par les jeunes. Et pour les faire taire définitivement, je jure dès à présent que je ne me marierai jamais. 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 Mais si je voulais pied de se rendre aucune personne. Je ne vous oublierai pas, madame. Je voudrais faire des commissions pour la boutique. Et je vous verrai.